Attends. Tac. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live. Désolé pour la petite attente de 5 secondes. Bonsoir, bienvenue du coup pour ce live exceptionnel pour voir décoller la mission Crew 2 avec à son bord Aki Koshide, Megan MacArthur, Shane Kimbrough et surtout notre astronaute national Thomas Pesquet pour cette deuxième mission vers l'espace. On va présenter la fusée, on va commenter le décollage en direct, on va présenter la mission, on va répondre à toutes vos questions. Et je ne serai pas seul, du coup j'accueille tout de suite mes collègues. Bonjour Charles. Bonjour Nathan. Bonjour Charles, donc Charles que vous avez déjà vu pour l'atterrissage et le décollage de Persévérance vers Mars. Charles qui est là en qualité de planétologue et aussi en qualité d'écrivain, puisque tu as écrit un livre sur le voyage habité dans l'espace qui est Apollo. Oui, tout à fait, sur la grande aventure des astronautes américains qui se sont posés sur la Lune, ça fait maintenant plus de 50 ans. Et on va bien espérer que Thomas Pesquet sera parmi les suivants. On espérera, ça on verra dans quelques années ou voire quelques dizaines d'années, si on est pessimiste. Et puis bonjour Théo. Bonjour Nathan. Alors Théo que vous connaissez aussi puisque c'est avec lui qu'on commente les autres lancements de fusées en direct que vous avez trouvé d'ailleurs pour les précédents astronautes qui ont rejoint l'ISS pour Soyuz MS-18 plus tôt en avril. Et qu'on va retrouver aussi lundi pour le lancement de la Delta 4 Heavy sur Futura aussi. Et Théo, donc, qui est ingénieur aéronautique. C'est ça, ingénieur en système embarqué, donc c'est toute l'électronique qui est dans les avions, dans les systèmes, on va dire, de transport en général, et donc qui se trouve également à bord des fusées. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, on est parti pour une bonne heure, 1 heure et demie pour commenter donc ce décollage de Thomas Pesquet. Donc bah, il parle de on va présenter ce qu'il va faire. Il est dans la capsule au moment où on parle hein. Donc on voit le centre de contrôle en bas à droite de votre écran. Il est dans la capsule depuis combien de temps on avait dit? Il est rentré à 2h30, enfin 2h30 avant le lancement, donc ça fait 2h vu que le lancement est dans 23 minutes. Donc à quoi 7 non à 9 h du matin, quelque chose comme ça. À 9h pour nous, sachant que là-bas, du coup, on a témoin 6, donc 3h du mat là-bas. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ils sont levés à 1 h du matin, quelque chose comme ça. Ouais, forcément à Voire l'heure même. américaine. Ouais, donc oui, ils Il sont. rentre avant. Il rentre avant là-dessus. Ouais, ils rentrent bien avant, puis bon, du coup, ça fait plusieurs heures enfermés dans leur capsule. Et on a vu d'ailleurs, ils ont joué à un pierre-feuille-ciseaux entre eux pour tuer le temps. donc cette capsule, elle est particulière puisque c'est la Crew Dragon de SpaceX. Dragon de SpaceX et elle s'appelle Endeavour. C'est celle qui a servi pour DM2 pour envoyer Bob et Doug dans l'espace pour le vol test habité de la Crew Dragon et c'est eux qui l'ont nommé Endeavour. Donc, de manière assez ironique dans un sens, en fait, ils l'avaient nommé en l'honneur de la navette spatiale sur laquelle ils avaient tous les deux volé. Et du coup, donc, c'est le deuxième vaisseau spatial Endeavour qui va être réutilisé. Mais c'est surtout pour SpaceX et la NASA en l'occurrence actuellement, c'est la première fois qu'un Crew Dragon va être réutilisé dans le cadre du Commercial Crew Program. Il n'y a pas que la capsule qui est réutilisée, les astronautes aussi, puisque Charles, c'est la deuxième mission de Thomas vers l'ISS. C'est la deuxième mission de, oui, bien sûr, de Thomas Pesquet. Vous vous rappelez tous de sa première mission il y a maintenant presque 5 ans de ça, hein, c'est le temps passe. C'est le 10e astronaute français, car depuis Jean-Loup Chrétien en 1982, la France a eu l'honneur d'envoyer 10 astronautes dans l'espace, 9 hommes et une femme, Claudie Aigneret en l'occurrence. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'un Français retourne dans l'espace. Puisque Jean-Loup Chrétien a volé 3 fois, on a eu également, on a eu, ben, en fait, Jean-François Clairvoy 3 fois, on a eu Michel Tognini, il a volé deux, non, c'est Léopold Éharde qui a volé 2 fois, donc voilà.
On est bien présent. Mais c'est la première fois que un Français va prendre les commandes de la Oui. Station spatiale internationale. Oui, tout à fait. Ouais, C'est vrai. la station spatiale internationale, donc il y a un équipage en moyenne de 6, ça varie. Là, ils seront plus, puisque la Crew Dragon emmène 4 astronautes, contrairement au Soyuz qui n'en emmène que 3. Et du coup, il y a un commandant qui est nommé à tour de rôle. Et Thomas Pesquet, alors pas dès qu'il arrivera, hein, contrairement à ce qu'on peut lire, il sera commandant le dernier mois de son séjour vers l'ISS. Il restera 6 mois, hein, sur l'ISS à peu près. Et le dernier mois de son séjour, il sera nommé du coup commandant. C'est plus un titre d'apparence qu'autre chose. Il n'a pas vraiment d'autorité ni rien. Mais par exemple, en cas de litige ou s'il y a un débat sur l'ISS, etc., entre les astronautes, en général, ils s'entendent bien. Mais s'il y a une engueulade, etc., ça revient à lui de gérer les choses, etc. Mais bon, c'est plus honorifique qu'autre chose. Et sera commandant pour accueillir Mathias, toujours de l'ESA en fait. Il va y avoir 13 astronautes de l'ESA qui vont succéder. Et il va donc accueillir le prochain astronaute de l'Agence spatiale européenne, Mathias, astronaute allemand. Je n'ai plus son nom de famille. Voilà, en bas à droite de l'écran, du coup, vous voyez l'intérieur de la capsule. Ils sont maintenant dedans depuis, on a dit, 2 heures. Alors, Thomas Pesquet, vous le voyez pas, il est tout au fond de la capsule, il est derrière ses copains. Et puis, la présentation des astronautes, hein. Alors, les Donc oui, il n'y a astronautes, pas que la dis-moi. capsule qui est utilisée Il y a le aussi. booster Il n'y a aussi, pas oui. que la capsule qui est utilisée. Il y a le booster qui, lui, ne date pas de DM2, mais de Crew One, donc la première mission opérationnelle de SpaceX pour, dans le cadre de ce programme. Voilà, Crew One, donc là ici c'est Crew 2 qui emmène Pesquet. Crew One, c'était cet automne. Donc la première mission opérationnelle du Commercial Crew Programme. Donc pour emmener des astronautes vers l'ISS, mais depuis le sol américain. Puisque Charles, hein, depuis l'arrêt des navettes, les Américains n'avaient pas de vaisseau. Oui, ça fait 10 ans, 10 ans que les Américains ne pouvaient pas envoyer leurs propres astronautes dans l'espace. C'est quand même une gifle pour une nation qui était aux avant-postes des programmes spatiaux habités. Ils n'avaient pas prévu l'après-navette, en fait. Ils ont mis la navette à la retraite et ils n'étaient pas prêts. Et donc, ils ont dû acheter à grand prix d'ailleurs, des sièges à bord du Soyouz soviétique, je crois à peu près 70 millions par siège. À peu près, oui. Ça a augmenté en fait. Au départ, c'était 40. Et sur la période, au début, en 2012, c'était 40. Et en 2020, c'était 80. 80 Carrément. millions. Bah tiens, tant qu'à faire. Là, avec le Crew Dragon, comme Elon Musk fait des fusées très performantes à très bon prix. Le siège est passé, tu me corrigeras, mais vers les 27 millions ou un peu moins de 30 millions de sièges. J'avais lu aux alentours de 30. C'est ça. 30 millions le siège environ. Mais du coup, oui, moins Il cher que même les facture, voilà, il débuts de facture Soyuz, moins enfin, au cher. début. On ne sait pas si c'est vraiment moins cher, parce que bon, ça on pourra jamais savoir, tant qu'on n'aura pas les finances, les feuilles de finances de SpaceX. On ne sait pas si c'est vraiment moins cher, hein. Il faut du temps avant de voir si c'est moins cher, si c'est rentable, etc. La navette, par exemple, c'était réutilisable, on a mis 30 ans à découvrir que c'était pas rentable. Mais par contre, ils facturent moins cher, donc bah, pour la NASA, c'est tout bénef. Ils n'ont plus qu'à acheter, sachant qu'il y a une deuxième entreprise, hein, c'est Boeing qui a remporté le contrat du Commercial Crew Programme. Sauf que Boeing a pris, les deux ont pris énormément de retard, hein. Normalement, la capsule, elle aurait dû être prête il y a plusieurs années. Mille SpaceX a pris du retard, mais Boeing a pris encore plus de retard et la capsule Starliner, qui enverra elle aussi des astronautes américains vers l'ISS, décollera bien plus tard, quoi. Elle débutera sa carrière bien plus tard. Mais en attendant, Je c'est Crew précise Dragon. que je vois sur un écran les vapeurs autour de la fusée qui montrent qu'on est en train de mettre l'oxygène liquide à bord du Tout second à fait. étage. C'est Comme ça. ça, à la dernière minute. C'est la grosse nouveauté en fait de SpaceX en fait, c'est qu'on charge la fusée en carburant une fois que les astronautes sont à bord. Ça a été un peu dur à certifier parce que la NASA préférait qu'ils viennent une fois qu'elle était chargée. Ils considéraient que du coup le chargement était une opération risquée. Et en fait, qu'on fait finalement, ils sont à bord d'une capsule avec un système de sauvetage. Donc, ils sont dans un sens au meilleur endroit possible et personne n'a approché une fusée chargée
sans avoir de système de sécurité. Donc, dans un sens, c'est peut-être plus sûr ainsi. Mais sur Soyuz, par exemple, ils viennent quand la fusée est déjà chargée, et c'était ainsi pour tous les autres lancements. Bah, c'est une merveilleuse opportunité de présenter la fusée, donc. Alors, cette vapeur dont qu'a relevé Charles, pourquoi elle est là? C'est pas la fusée qui est en train de flamber ni rien, c'est simplement que la fusée, d'ailleurs tous les étages de la fusée, hein, le premier étage ou le second étage, ça fonctionne à la combustion du kérosène. Hein, c'est un kérosène différent, c'est raffiné, c'est un dérivé de kérosène, c'est du RP1 qu'on appelle, du carburant pour fusée numéro 1, littéralement. Donc c'est du kérosène qui va brûler avec de l'oxygène liquide. Vous savez que pour faire du feu, il faut un carburant. Donc cet oxygène liquide et ce kérosène du coup liquide, ils sont injectés du coup, comme Théo l'a dit, avant le décollage, parce que sinon l'oxygène liquide va commencer à s'évaporer. Il est refroidi à très basse température pour qu'il soit liquide, et il va naturellement s'évaporer. S'il s'évapore, ça va produire du gaz et ça risque de faire exploser la fusée. Donc ce gaz qui se produit naturellement, on le fait évaporer. On le fait sortir volontairement de la fusée et ça fait ce panache de fumée qui est très joli à voir et qu'on voit sur presque toutes les fusées d'ailleurs. Alors en fait, il y a une contrainte que SpaceX fait, c'est que donc il y a une tranche de température pendant laquelle l'oxygène est liquide. Ça commence à moins 160, ça va jusqu'à moins 180, quelque chose comme ça. Et en gros, là où la plupart des opérateurs de fusée le laissent à moins 160 et ils continuent à remplir ce qui s'évapore, SpaceX préfère le mettre à moins 180, comme ça il y en a plus, il est plus dense, il y en a plus, on peut avoir plus de performance de la fusée. Mais du coup, ça implique qu'il faut vraiment chargé au dernier moment pour avoir, enfin pour qu'il se réchauffe pas quoi. Du coup, c'est pour ça, c'est une contrainte particulière de SpaceX. Et je crois aussi qu'ils font même la même chose pour le kérosène, qui pourtant est à température normale, on va dire, mais ils le refroidissent aussi pour en mettre plus, pour le densifier et en mettre plus dans le réservoir. C'est ça. Alors là, les températures sont moins extrêmes, on est dans le moins 40, le moins 40, hein, on est pas dans le moins 100 et quelques. Mais oui, c'est vrai. Voilà cette fusée, donc Falcon 9, la Falcon 9 de SpaceX, le lanceur moyen de SpaceX, avec donc une fusée en deux étages. Le premier étage propulsé par 9 moteurs Merlin, qui s'appellent Merlin les moteurs. Donc ces 9 moteurs vont propulser le premier étage. Ensuite, une fois que Il y a le premier 849. réservoir sera vide, il va se détacher. Et c'est un seul moteur Merlin qui va prendre le relais, mais un Merlin un peu modifié. Alors, je vais vous montrer, Ça, voilà. donc il y a 854 kN par moteur. Donc au total, ça fait environ 8 MN de poussée pour le premier Donc, étage. 8 méga-newtons, ça fait quoi? 7 tonnes 800, à peu 800 près, tonnes hein. de poussée. Quelque chose comme ça. C'est à 800 tonnes. Donc c'est la 820, c'est 820 tonnes de poussée en l'occurrence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur le diagramme, on dirait que ce sont deux moteurs de taille totalement différente, mais pas du tout. C'est le même moteur et seule la cloche qui est en dessous est de taille différente entre le premier étage et le deuxième étage. La On cloche du note, hein. second étage, Vas-y. c'est pour faire une meilleure expansion du gaz dans le vide, parce que le premier étage, il fonctionne un peu dans Tout à l'atmosphère, fait. le second uniquement dans le vide. Or, avec la forme de la cloche, on a une meilleure poussée dans le vide. C'est pour ça que vous avez la version à droite. Ça. Et comme tu as parlé d'Apollo, en fait, on remarque que la version vide reprend un peu ce que faisait le moteur F1 de la Saturn V. On voit que l'échappement, le tube qu'il y a à gauche, il entoure la tuyère en fait. Et en fait, on met l'échappement ici pour empêcher que les parois de la tuyère chauffent trop. Donc, ça fait un peu un film de gaz à température intermédiaire, une centaine de degrés, qui protège de la température à quelques milliers de degrés qu'il y aura au centre. Ouais, il faut toujours refroidir une cloche de combustion. Donc effectivement, on met un serpentin autour qui tourne autour avec le propergol froid, enfin qui commence à se réchauffer bien sûr, mais froid qui tourne autour pour refroidir pour pas que le métal fonde avant d'être injecté dans la chambre de combustion. C'est très Tout à malin. fait. Alors, sachant Alors ça, que c'était le Merlin surtout a sur une les hydrogènes. le Merlin a une particularité, c'est que contrairement à un moteur qui s'appelle le RL10 par exemple, où là c'est la tuyère, elle est composée d'un tuyau qui fait tout le tour et on fait passer de l'hydrogène liquide et ça fait du coup refroidir. Là ici simplement c'est un matériau qui va permettre de rayonner. On va le voir sur les caméras embarquées tout à l'heure lors du décollage. La tuyère elle va s'illuminer complètement donc pour évacuer la chaleur sous forme de rayonnement. D'accord, merci pour cette. Donc là, oui, c'est pas le carburant qu'on met dans la tuyère. En fait, c'est
ce dont je parlais, c'est qu'en fait, il y a une turbine qui va brûler un peu de kérosène et un peu d'oxygène, et les gaz de cette turbine vont être mis en mode film autour, et ce sera à plusieurs centaines de Alors, degrés. d'accord. Merci de cette rectification. Alors, dis donc, on est très proche du décollage, là. On est à combien de minutes? On est 10 minutes. à 11 minutes, un peu plus d'11 minutes du décollage. Donc on a encore le temps de présenter un petit peu cette fusée. Donc voilà, le premier étage avec ses 9 moteurs Merlin, donc optimisé pour l'atmosphère, donc avec la tuyère courte comme on a vu, qui va propulser la fusée, décoller. Ensuite l'étage va se séparer. Et c'est le seul moteur Merlin avec la tuyère longue, puisque à ce moment-là on sera dans la haute atmosphère, et puis ça ira jusqu'en orbite dans le vide spatial. Donc ce moteur Merlin avec la fusée, la tuyère longue, qui fonctionne au kérosène lui aussi, va pouvoir finaliser la mise en orbite de la capsule. Quelle est la durée du trajet? Ça va prendre 23 heures. 23 heures. 23 heures pour rejoindre Pour l'ISS. rejoindre l'ISS. D'ailleurs, on peut montrer les diagrammes du Ah coup oui. pour la montée, parce qu'après, du coup, l'étage inférieur, bien connu de chez SpaceX, va atterrir. Alors, il va atterrir sur une barge. Il y a l'option de le faire revenir sur Terre à côté du point de tir de décollage. Mais en fait, pour les fusées avec équipage, en fait, on leur fait pas prendre une trajectoire, on va dire optimale pour la fusée. On va faire prendre une trajectoire optimale pour que, si jamais il y a un problème, en fait, l'équipage ne subisse pas trop d'accélération s'ils doivent s'échapper et donc rentrer dans l'atmosphère. Donc la trajectoire est plus douce, et comme elle est plus douce, le booster a trop de vitesse horizontale pour pouvoir revenir sur Terre ensuite. Exactement. Donc voilà le diagramme à Donc peu près ce que je parlais. il revient sur barge, donc dans l'océan, c'est ça? Exactement. C'est ça. La barge, la voici. Elle est où? Elle est là. La voici, la Of barge. course, I still love you. Ah, celle-là, c'est juste une instruction. Ah oui, c'est pas la bonne barge. Alors, C'est une barge, c'est la même. petit détail, bien sûr, ces premiers étages sont réutilisables. Ça, c'est l'une des grandes nouveautés de SpaceX, c'est d'avoir développé, entre autres, il y a une autre société qui l'a fait aussi, cette technologie. Il y a des premiers étages de Falcon qui ont été récupérés. Je crois que le record, on en est à Une dizaine, non? 9 ou 7. Alors, C'est 9 neuf vols. vols. C'est Ouais. 9 vols pour l'instant. Incroyable. On a déjà récupéré, remis en état, remis le carburant, refait voler un étage 9 fois. Pour celui de Thomas Pesquet, là, pour ce vol-ci, c'est une fusée qui n'a servi, c'est une toute neuve, qui n'a Une servi fois, qu'une une fois fois. avant. Hein, C'est c'est ça. son second C'est vol. ça, exactement. Bon, après, du coup, pour le spatial américain, la réutilisation, c'est pas nouveau. La navette spatiale a été réutilisée. Et alors, on ne le savait pas trop. Donc, il n'y avait pas d'atterrissage propulsif. Donc, la navette revenait en mode avion. La navette avait trois énormes moteurs qui avaient une. Parce que souvent, on dit, ouais, c'est pas les propulseurs. Elle avait trois moteurs qui produisaient 6 méga-newtons de poussée au total. La Falcon 9, c'est 8. Donc, en termes de poussée, on est quand même pas mal. Et les boosters atterrissaient sous parachute en mer et étaient également réutilisés. Alors c'était par contre plus complexe à réutiliser, mais du coup voilà, enfin, il y a Ouais. la réutilisation, On ça reste pas reste quand quand même même quelque des chose d'un 200 des peu pas 200 vraiment vols nouveau. Donc. d'une d'Atlantis 200 je crois, une 200aine de vols d'Atlantis en réutilisation. En tout, toutes les navettes ont volé quoi, 150 fois? Toutes 135, toutes voilà. confondues, elles ont volé 135 et le record c'est 33 pour Endeavour, je crois. Endeavour justement. Endeavour qui va, l'autre Endeavour qui va du coup voler et emmener Thomas Pesquet vers l'ISS. Alors, je rappelle tout au long de cette émission, n'hésitez pas dans les différents chats sur YouTube, Twitch et Facebook à poser vos questions. On va essayer d'y répondre en temps réel, mais sinon, après le décollage, on y reviendra plus en détail sur toutes vos questions. Donc restez bien après le décollage et on continuera de parler aussi de la mission, etc. Dans 1 minute, on passe en contrôle électrique à bord, c'est-à-dire que le vaisseau spatial sera sur sa propre énergie électrique, alors qu'avant, il était alimenté depuis la tour à côté. Et à témoin 1 minute, ce sera l'étage qui sera en internal mode. Voilà, donc la fusée, voilà, ici on voit à gauche, du coup la caméra de gauche, qui continue toujours de dégazer. Cette fois-ci, c'est le second étage, donc l'étage le plus haut. Quel est l'équivalent de Donc là où poussée ils en mettent les jeux. tonnes et en chevaux? Alors en tonnes, on a dit c'est à peu près 800 tonnes de poussée. Il suffit de Et diviser 600 à du peu coup près pour la par 10, navette. hein, où on donne un truc en newton, on divise par 10, on a la poussée en tonnes.
800 tonnes, c'est beaucoup. Bon, la navette spatiale, c'était à peu près, je crois, du 2500 tonnes. La Alors en 75. fait, ça dépend tout compris, parce que la navette, il y avait les boosters à poudre qui étaient extrêmement puissants en fait, et du coup, tout compris, c'était du 2800 tonnes. La C'est ça. navette seule, c'était 600 tonnes. D'accord. Et la L'orbiteur, oui. 75, La probablement, le 75, lui, record. c'est 30, 3 000 tonnes de poussée. 33 tonnes, ouais. 30 méganewtons à peu près. Et par Il y a eu comparaison. la N1, il y a eu la N1, mais elle a pas La atteint. N1, oui, donc l'équivalent russe, elle, donc c'était la plus puissante fusée à jamais avoir vu le jour, qui était à une quarantaine de méganewtons, donc 4 000 tonnes de poussée au premier étage. Donc mais elle explosait, donc. Voilà. Le problème, c'est que voilà, on peut quand même la mettre, tu as raison, dans le livre des records. Tout à fait, ouais, la N1 qui aurait dû emmener les Soviétiques sur la Lune. Et en chevaux, ben en chevaux, Donc. c'est pas très tellement quantifiable, puisque les chevaux c'est une unité de puissance, donc l'équivalent ça serait les watts, et non pas les newtons, qui est une unité de force. Donc on peut pas vraiment comparer. Pour les auditeurs internationaux, je vais pas, alors je connais pas les horaires, toutes les horaires. Le décollage se fait à 9h49 UTC. Donc 11h49 en France, et je vous laisse convertir pour votre zone. Dans 4 minutes alors. Alors donc Oui, par dans 5. 6 minutes, 6 minutes. Là on est à 5:43, 42, 41. Donc décollage de nuit tout simplement parce que c'est le bon moment, puisque c'est à ce moment-là où l'ISS va passer à peu près au-dessus du pas de tir. Donc il faut optimiser la date de lancement, l'heure de lancement, pour pas passer 30 ans dans l'espace, quoi. Pour pas se Et passer au plusieurs fait, heures. est-ce que l'ISS passe au-dessus de la France le soir cette semaine? Ah, peut-être ça, il faut J'ai pas regarder sur les applications. trop regardé. Ouais, Oui. faudra regarder sur l'application. Donc l'équipage se situe dans la capsule tout en haut de la fusée. Tout à fait. Là, donc ça va être un rendez-vous en 23 heures parce que j'ai vu aussi la question entre le lancement et l'amarrage à l'ISS. Il y aura du coup 23 heures. Ça peut paraître long, hein, mais en fait là, on n'optimise pas la trajectoire de l'ISS. Crew Dragon a un seul habitacle qui est assez vaste et du coup, la NASA se dit, c'est bon, on va pas optimiser la trajectoire de l'ISS pour avoir un docking plus rapide. Le premier, ça avait été prévu en 8 heures, pour donner une idée. On est loin des 3 heures de Soyouz où la trajectoire est vraiment très optimisée, et surtout où Soyouz est capable de faire ses trajectoires optimisées, où ça prend, donc du coup ça prend que 3 heures pour rejoindre l'ISS. Là ça prend Après vraiment 3 heures, 23 ça heures. fait que 2 ans. 3 heures, ça fait que 2 ans. Avant, c'était 6 heures. Oui. Ouais, donc 23 heures dans une petite capsule. Ah, c'est ça le métier d'astronaute aussi, à 4 dans la capsule. Ils sont formés pour. On leur en veut pas. On va pas les plaindre. Là, il y a le Mac qui se décale petit à petit. Voilà, 4 minutes maintenant avant le décollage de Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale pour sa deuxième mission nommée Alpha, où il effectuera plein d'expériences. On en parlera après le décollage, donc restez bien après le décollage. Alors, pour les amateurs qui veulent voir la station spatiale passer au-dessus de leur tête, c'est le matin à l'aube. Qu'on peut la voir, que ce soit mercredi, oui, mais non, mercredi prochain, hein, donc après le week-end, mercredi, jeudi, vendredi, Pesquet sera déjà à bord. Et vous pouvez sur Spot the Station à la NASA, sur leur site, avoir tous les temps de passage, quand ils passent, etc. Mais c'est très joli parce que pendant 4 à 5 à 6 minutes, vous voyez une étoile très brillante passer au-dessus de vos têtes, qui est aussi brillante que la planète Vénus. Voilà. Oui, voilà, il faut pas s'attendre à voir la station, hein. C'est un point brillant, hein, qui va passer, mais c'est très impressionnant. Ça traverse le ciel en 1 minute, pas plus. Et du coup, c'est impressionnant, puisque bah, il y aura combien à bord? Il y aura 7 Alors, astronautes à bord? il y en a déjà 3 qui sont 11. descendus, et donc il y a plus que il y aura. Il y aura, Ils ils sont sont 7. Ils sont 7, sur 7 et il y en aura 4 en plus, donc 11. 11, mais il y en a encore qui Il y en a 4 redescendent, qui redécolent, Ouais, il y a qui un grand redescendent chamboulement dans dans une l'ISS. semaine. Ils redescendent tout de suite après, hein. Ils redescendent le 28 avril. Ah ben oui, donc on verra la semaine prochaine. Quand on verra la station passer, ben, le 27, il y aura tout le monde à bord. Ils seront 11, un truc comme ça. Ça, c'est C'est un ça, record. on va. Voilà.
Non, Non, parce que il y quand il y avait la avait la navette, oui. navette qui arrivait, il y avait 6 personnes à bord, et enfin 6 personnes dans l'ISS, 7 personnes à bord de la Donc ils arrivaient navette, à ils avaient 11 à peu 7 près, personnes à ouais. bord. D'accord. Je sais pas si c'est le record, je sais pas si on a eu plus, mais en tout cas, oui, ça va faire Bah, beaucoup, ouais. le Ça va se record pour moi, c'est bousculer là-haut. 13. En combien de temps la fusée sortira de la Donc, Terre? En on à a peu près 10 peut-être. minutes. Même pas. Ouais, En quelques minutes. on a beaucoup de chance avec la fenêtre de lancement. On pourrait voir quelque chose de très sympa avec les gaz Ah d'échappement oui. quand la fusée prendra de l'altitude, car c'est à l'aube. Et donc, en fait, les gaz, on verra donc là au départ la flamme très blanche, très jaune. Et quand on prendra de l'altitude, en fait, elle va devenir de plus en plus transparente quand les gaz s'épandront. Et si on a de la chance et que du coup elle passe dans la lumière du soleil, mais qu'au sol, en gros, on la voit toujours un peu, enfin, sur un ciel noir, et ben, il y aura une très belle flamme très brillante en fait qui va être illuminée par le soleil. Allez, 1 minute 15 maintenant avant le lancement. Donc comme Théo l'a dit, on va normalement, comme c'est juste avant l'aube, là-bas en Floride, au Kennedy Space Center, on va du coup peut-être voir une magnifique nébuleuse artificielle dans le ciel de la Floride. Puisque comme il a dit, voilà, les gaz d'échappement opaques en haute atmosphère vont s'élargir. De toute façon, on va commenter, hein. On va voir les gaz qui vont s'élargir à mesure que la pression atmosphérique diminue et le soleil qui va du coup illuminer ces gaz. Alors Alors vous avez du ça va sonner. décalage, hein, je préviens. Normal. Entre, il y a à peu près 1 minute de décalage entre ce que vous voyez et le temps réel. Donc il y aura une sacrée Accélération, accélération, bien un sûr. peu moins violente qu'à bord du Soyouz, mais les astronautes, en comparant les deux, disent c'est il y a moins de G, un tout petit peu moins de G dans la Dragon, 15 secondes. mais ça secoue. 15 Ça secondes. secoue. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors attention. Et allumage des 9 moteurs Merlin dans la nuit de Floride. C'est parti. Endeavour launches once again. Four astronauts from three countries on crew 2. Now making their way to Voilà, the les one and battements only cardiaques ont été International Space élevés. Station. Ouais. Alors vous voyez le panache de fumée au sol, c'est pas la fumée des gaz, hein, c'est de la vapeur d'eau, puisqu'on utilise de l'eau pour amortir l'onde de choc. On utilise des panaches d'eau de liquide, hein, On pour dirait un amortir ovni. l'onde de choc, et donc du coup avec la chaleur ça fait un panache de vapeur. On voit la flamme vraiment toujours très, très collée, on va la voir toujours très vite. Et qui Et au fur et à mesure que ça il illumine les nuages qu'on ne voyait pas en pleine nuit, donc ça nous a éclairé les nuages au passage. Tout à fait, ouais. Les lancements de lui c'est vraiment très impressionnant. On voit pas la fusée, mais on voit les lumières fantastiques. Voilà Thomas Pesquet qui décolle maintenant vers l'ISS. Non, par mode d'accélération, On en est fait, déjà à c'est juste que la 1000 km/h. poussée des moteurs restait plus ou moins la même. Par contre, comme il y a de moins en moins de carburant, la fusée s'allège et l'accélération. Et on a L'accélération est de plus en plus importante. Du 4G à peu près. Bah en fait, ça dépend au départ, donc ça va être très faible, dans le sens où le rapport poids poussé est assez faible, la fusée est complètement chargée. Et par contre, comme elle va s'alléger mais que les moteurs poussent la même chose, l'accélération va accélérer, accélérer, et je crois qu'on atteint les 5G au maximum. Et donc c'est par définition en fin de combustion de l'étage que vous avez l'accélération. Et quand l'étage se sépare, soudain vous avez 0G pendant une fraction de seconde avant l'allumage du second étage. Vous passez de 4G à 0 et vous avez l'impression d'être propulsé dans le tableau de bord par finalement cette décélération relative. Voilà, on voit les gaz qui commencent on est déjà à 35 km d'altitude. Là, on est déjà dans la haute atmosphère, donc la pression atmosphérique est bien, 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 bien plus basse. On ne pourrait pas respirer, nous, par exemple. Il n'y a plus assez d'oxygène, il n'y a plus assez d'air, il n'y a plus assez de pression. Donc, les gaz qui s'échappent, bah, par équilibre de pression, ils vont du coup s'élargir, forcément. Comme un ballon d'hélium, quand il arrive dans la haute atmosphère, il s'élargit naturellement. En tout cas, tout marche très bien. Bientôt la séparation. Et du coup, les flammes deviennent de plus en plus transparentes vu que elles sont moins denses. Voilà la Alors, on va voir séparation un là. flash vert. On va voir un flash vert avec l'allumage du second moteur.
Voilà l'étage qui tombe. Vous voyez le... Paf, voilà le flash vert, est-ce que vous l'avez vu? La petite lueur verte, on l'expliquera, on va l'expliquer tout de suite. Ouais. Et voilà, et comme je disais tout à l'heure, la tuyère qui commence à s'illuminer pour évacuer la chaleur. En fait, comment on allume un moteur de fusée? Il y a certaines fusées qui utilisent un peu une bougie, c'est-à-dire une anode, une cathode, qui font un arc électrique. Ça, c'est des moteurs de la navette, mais c'est quand même assez anecdotique. Et la plupart, en fait, notamment celle à kérosène, utilise ce qu'on appelle du TTEB, triéthyl aluminium et triéthyl borane, qui est, quand on les met ensemble et avec de l'oxygène, ça va s'enflammer directement. Et après, on met le kérosène et la combustion s'auto-entretient. Et le borane, en fait, le bore, crée une très belle flamme verte et qui n'est pas maintenue parce que du coup, on n'a pas besoin de le mettre en permanence. Voilà, c'est l'équivalent de votre petite étincelle pour votre gazinière. On utilise une autre combustion pour initier la combustion principale. Et à gauche, du coup, vous voyez la vue du booster, donc le premier étage. Alors, contrairement aux autres fusées, celui-ci, comme c'est la Falcon 9 de SpaceX, il va commencer à revenir sur Terre pour aller se poser sur le petit bateau, enfin sur le gros bateau. Avec des jets de gaz froid pour se réorienter. Voilà, les petites bouffées de lumière, c'est les gaz. Ce qu'on appelle, des propulseurs RCS, pour Rotation Control System. Donc c'est des propulseurs, des petits moteurs latéraux qui vont éjecter du gaz de part et d'autre pour orienter la fusée quand elle est suffisamment à haute altitude. Après, une fois qu'elle rentre dans l'atmosphère suffisamment, il y aura trop d'air, il y aura trop d'atmosphère pour que ces propulseurs soient efficaces. Donc ça sera les petites palettes, les petites grilles que vous voyez sur l'image qui vont orienter le booster grâce aux forces aérodynamiques. Donc là on voit l'ombre du second étage sur la fumée qu'il produit en fait. Sur la flamme, on voit que c'est opaque et donc je pense que depuis le sol, la vue doit être très belle. Alors on va démolir une idée reçue très 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 forte maintenant, puisque je le vois dans les commentaires. SpaceX n'a pris aucune avance sur le reste du monde dans le secteur spatial et surtout pas sur l'Europe. C'est pas comparable. L'Europe, elle fournit Ariane, qui est un lanceur lourd. SpaceX, c'est un lanceur moyen, c'est pas du tout le même marché. SpaceX lance que de l'institutionnel, ce qu'on appelle des lancements institutionnels, c'est-à-dire des lancements publics par exemple pour l'armée américaine ou la NASA. Pour la NASA, etc. Ariane lance énormément de satellites commerciaux, donc sur le marché, elle est vraiment au top. Et surtout, c'est du lourd, c'est des charges très lourdes vers des orbites très élevées pour le géostationnaire, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pas du tout les mêmes gammes de performance. Et la réutilisation, c'est pas forcément bien. La réutilisation, ça veut pas dire que c'est rentable. Ça, on ne saura que dans quelques années si c'est vraiment rentable ou pas. En tout cas, on a un exemple de réutilisation non rentable, c'est la navette qui était quand même très chère. Et elle était réutilisable. Voilà. Un échec commercial. Oui. Et puis évidemment, ça avait été un engin extrêmement complexe et dangereux. Je rebondis quand même sur SpaceX, qui a quand même un gros marché, pas seulement institutionnel au niveau du gouvernement américain, mais lance quand même pas mal de satellites de télécom. Il met quand même un Falcon 9 peut mettre 20 tonnes en orbite basse. Oui, c'est un bon lanceur moyen. En géostationnaire, ça fait quoi, du 4 ou 5 tonnes quand même? Bah, c'est beaucoup. Justement, en fait, c'est là où on en avait parlé une fois avec Nathan, c'est que la performance en haute altitude dépend beaucoup du second étage. Et en fait, SpaceX a fait un second étage très optimisé d'un point de vue fabrication, même moteur, même carburant, mais c'est un carburant qui n'est pas optimisé en fait pour les orbites à haute énergie. Et du coup, alors je crois qu'elle peut mettre 8 tonnes, quelque chose comme ça. Mais du coup, ça reste moins. Et un très bon exemple, c'est la prochaine mission de la NASA qui va aller vers Jupiter. Elle utilise la fusée la moins puissante de United Launch Alliance, mais la Falcon 9 ne peut pas le faire, alors qu'elle est plus D'accord, puissante. Celle d'United Alliance a un très très bon second étage. Et Falcon Heavy, c'est très puissant, c'est la fusée la plus puissante actuellement, mais elle est à la limite trop capacitaire et du coup elle ne trouve pas ses clients, puisqu'elle peut emporter beaucoup vers l'orbite géostationnaire, mais... D'autres fusées. Le burn de rentrée. Oui, le booster va pas tarder à rentrer. Alors c'est pas le sujet, puisque ici le sujet c'est Thomas Pesquet qui part vers l'ISS. On a déjà fait des émissions spécialement sur ces sujets dans les chroniques de l'espace disponibles sur Futura, toujours en replay. Donc qui étaient des émissions en direct que j'animais également. Où dans l'une je parlais de toutes les idées reçues un peu sur SpaceX pour démystifier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur SpaceX.
Et dans l'autre, on présente vraiment en détail comment fonctionnent les fusées, comment fonctionnent leurs moteurs, etc. Donc le burn de rentrée qui s'est bien passé, puis on voit que là, du coup, elle est du côté jour, et donc on a vu un peu l'horizon, et Ah ouais, voilà, donc on elle va voit atteindre à un peu l'instant sur le jour. l'écran le jour qui se lève C'est un petit peu. magnifique. Donc oui, hein, ils vont pas sur la Lune comme l'a titré le Midi Libre, hein, ils vont sur Ils l'ISS. vont pas sur la Lune, loin de là. Mais on peut espérer que Thomas Pesquet fera le tour de la Lune. Puisqu'il en est à son second vol, il a encore des belles années devant lui. Et son prochain vol, on peut imaginer que ce sera dans 4 ou 5 ans. Ben, dans 4 ou 5 ans, on en sera au point où on sera en train de faire au moins des tours de la Lune avec l'équipage et on sera en train de préparer les alunissages. Donc il est bien, très bien positionné pour être le premier Européen à marcher sur la Lune. Moi, On je peut mets des jetons sur être lui. confiant. Ouais. On a vu une très belle image du booster hein, qui vient de se couper. Donc à gauche, le booster qui est arrivé au-dessus des nuages de l'océan Atlantique. Là. Donc, on est bien plus à l'est que de la Floride. Hein. Après, il va Il va atterrir atterrir. donc du coup sur la barge. Et à droite, vous voyez C'est l'animation. souvent qu'on perd le signal. 27 000 km/h qui sont atteints. Donc normalement, la capsule est en orbite. Donc elle va plus retomber. Et atterrissage réussi du premier Ouais, étage. donc SpaceX a des problèmes de vidéo. On aura le des vidéos. J'avoue que là, la Ouais, vidéo ils ont de perdu le signal. SpaceX. Tant pis. On verra ça en replay très certainement. Mais voilà, le Ah voilà, booster a donc bien il a bien atterri. coupé le Ouais. moteur. Donc il va maintenant les prochaines étapes, c'est la séparation de la Crew Dragon. Belle image à droite de la tuyère avec l'horizon terrestre en Ah, ils sont arrière-plan. passés côté jour, ouais. Avec donc Pesquet à l'autre bout. On ne le voit pas, bien sûr. Il est à l'autre bout de la fusée. Voilà, donc oui, Alors, normalement ils sont en orbite. est-ce que les panneaux solaires de l'ISS sont les mêmes que ceux utilisés sur Terre? Non, non, il n'y a rien à voir. Ils sont très souples et autres. Et surtout qu'on n'a pas de problème de l'atmosphère ou autre. Donc, ils sont plus Alors performants. surtout la principale différence, en fait, un panneau solaire, c'est quoi? C'est une couche de semi-conducteurs. Enfin, c'est des couches minces de semi-conducteurs pour générer des champs électriques quand il y a un photon qui arrive, donc de la lumière. Et c'est la raison pour laquelle les panneaux solaires, c'est vraiment pas efficace, hein, encore aujourd'hui, même avec nos technologies modernes. Le seul vrai moyen d'avoir des panneaux solaires vraiment très efficaces, bah, c'est simplement de mettre plusieurs couches de ces semi-conducteurs. Et bah, ça coûte aussi. Ça décuple aussi le prix. Donc pour l'espace, c'est bien parce que de toute façon il y a le budget. Et du coup on a les meilleurs panneaux solaires qui se font sur Terre. Mais pour l'utilisation sur Terre, bah, c'est vraiment trop cher et ça serait vraiment pas du tout rentable économiquement. Pour le Donc, on commerce, était pour les très loin. maisons ou même pour les entreprises. Donc Alors, on les a vus vite fait dans la on capsule. tente. Voilà, Pesquet il est à gauche là sur la vidéo. Donc, là, ils vont bientôt séparer normalement la capsule. Oui. Alors, apparemment, la trajectoire là n'est pas la plus rapide pour rejoindre Clairement l'ISS. pas. Tout dépend de la géométrie entre l'orbite qu'on essaye d'atteindre et puis son point de départ. Il y a des moments où on peut rattraper un engin en orbite et faire un rendez-vous en quelques heures seulement. Tout à fait. Là, ben, ça prend une Ça journée. prend voilà, Ils sont à 23 heures. 200 km d'altitude et séparation de la capsule. Voilà, on va la Et oui, et voir on va voir dans quelques secondes. peut-être voir une belle image prise depuis la capsule. On va ou plutôt dans l'autre sens, C'est on du va second étage vers la capsule, ouais. voir. Ouais, le second étage va filmer la capsule, l'arrière de la capsule qui se sépare. Ah voilà. Voilà, Voilà. vous voyez maintenant. Donc ce qu'on voit en fait, ce qu'on a vu, c'était l'intérieur de ce qu'on appelle, ce que SpaceX appelle le tronc en fait, c'est hein, tout ce qui est de la partie inférieure, où sur les Dragon Cargo ils mettent du cargo. Donc Du c'est un ravitaillement, de gros la bouffe. espace non pressurisé. Super, on se croirait dans un film de science-fiction, mais c'est la réalité. Voilà, donc on voit en direct. Alors, ils sont. Alors là, la caméra est vers l'est. Ils sont dans l'autre sens là.
Est-ce qu'ils ont le droit de se lever? Alors oui, ils vont sur 23 heures, heureusement, ils vont avoir le droit de se lever. Ils ont des toilettes, etc. Oui. Les toilettes sont droit au-dessus. Ah oui, c'est vrai, c'est derrière l'écran, non? Yessé se trouve à 370 km d'altitude en moyenne. Donc là, ils sont à 200 km. Ils ont encore des manœuvres à faire pour augmenter leur altitude. Alors les manœuvres orbitales, là aussi, il y a une émission spécialement dédiée à ça, en replay sur Futura, où j'explique comment on voyage dans l'espace, puisque là, les moteurs sont complètement arrêtés dans l'espace. Donc on suit simplement des trajectoires, comme on dit dans Apollo 13, c'est Newton qui est aux commandes. Donc pour se mouvoir dans l'espace, pour changer de trajectoire, il faut allumer les moteurs au bon moment, dans le bon sens, au bon endroit. Et là, vous avez à gauche une vue des écrans de contrôle que voient les astronautes, droit devant eux. Les toilettes sont derrière. Alors, que devient le tronc ensuite? Le tronc reste attaché à la Crew Dragon, en fait, pendant tout du long. Jusqu'à peu avant de rentrer dans l'atmosphère, où là il est, parce qu'en fait il bloque le bouclier thermique, mais par contre comme il apporte l'électricité, il a les panneaux solaires et il a les radiateurs pour refroidir également, il est utile pendant tout du long juste avant de rentrer dans l'atmosphère. Voilà cette capsule. Donc alors pour bien comprendre, on a dit tout à l'heure il y a le premier étage, donc le booster qui a désormais atterri, le second étage qui a emmené la capsule en orbite, et ensuite qui s'est maintenant séparé de la capsule et de son tronc. Donc maintenant, il n'y a plus que la capsule et le tronc, donc le module de service, comme on appelait avant, sur les autres capsules. Donc la capsule en c'est elle-même, ça. Là où il y a les astronautes, et le tronc, la partie bleue et grise, là, est cylindrique, qui contient tous les éléments de propulsion, les moteurs, le carburant, etc. Ah non, c'est la nouveauté justement du Crew Dragon, c'est que tout est à bord de la capsule, les propulseurs aussi. Les propulseurs. Et vous savez pour ça qu'ils ont changé le nom d'ailleurs, c'est parce que maintenant c'est vraiment juste une coquille vide avec des panneaux solaires et des radiateurs en fait. Et le nez conique qui est numéro 5 sur votre schéma, qui est juste devant la capsule, va s'ouvrir comme une porte sur des. Il va comment ce qu'on dit, va faire une rotation. Il va s'ouvrir. Comme on a fait à la coque. avant l'arrimage, puisqu'il protège tout le dispositif d'arrimage à la station spatiale sous ce cône. En fait, il y a quatre moteurs sous ce cône de part et d'autre du port d'amarrage. C'est eux qui vont être utilisés pour la plupart des manœuvres parce qu'ils sont vraiment bien dans l'axe du centre de gravité, là où les autres ne le sont pas et sont moins optimaux. On va utiliser les autres près de l'ISS pour éviter en fait d'envoyer des gaz directement sur l'ISS. Mais du coup, sinon, il y a aussi donc quatre propulseurs sous ce cône blanc. Voilà, donc le lancement s'est très bien passé. Il n'y a eu aucune défaillance. Sinon, on aurait vu la capsule qui se serait éjectée de la fusée. Et ils auraient du coup atterri, les astronautes. Et du coup, voilà, ils sont maintenant en orbite autour de la Terre à peu près 200 km d'altitude. Ils ont encore du chemin pour atteindre l'ISS. Donc restez bien avec nous, puisque maintenant on va commencer à répondre à vos questions plus en détail. Et puis sur cette vue de la Terre. Alors sur cette vue, ouais, il devrait. Alors tiens, c'est intéressant qu'apparemment. Ça va passer au-dessus de nous là. Alors, est-ce qu'ils passent au-dessus de la France? Ils vont passer au-dessus de nous. On le verra pas puisqu'il fait jour chez nous. Ouais. Mais ils vont passer au-dessus de notre tête. On va faire coucou à Thomas Pesquet là, dans quelques. Allez, 3 minutes, même pas. J'avoue, dans 3 minutes environ. Ouais. Ça fait combien de temps qu'ils ont décollé de Floride? Voilà, vous faites le calcul. Ça va vite, hein. Ça va à 27 000 km/h. C'était à 49, il est midi 6, donc. Un quart d'heure, voilà. Miami, Paris, ça va. Alors j'ai vu une question, est-ce qu'elle va être réutilisée la capsule? Oui, en fait elle redescend avec les gens à terre, enfin avec les astronautes, donc on a besoin qu'elle soit intacte déjà. Et donc là elle est déjà réutilisée, elle a servi pour DM2, donc ces capsules sont réutilisables et sont réutilisées. Et il y a la Dragon 1 qui a amené le premier équipage, qui est encore arrimé à la station, qui va redescendre donc le 26 avril le 28, pardon. Mm-hmm. Et leur va resservir au mois de septembre pour un vol privé. C'est celle-là qui va servir pour le vol privé? Alors attendez, je vais vérifier ça. Ouais, alors, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, ouais c'est ça. Elle va servir pour ce qu'on appelle inspiration.
Inspiration 4, qui est un vol qui a été acheté par un millionnaire américain et qui va faire voler trois autres personnes avec lui, qui sont tous des civils. Et ça sera le premier vol commercial, on va dire, puisque une personne l'a acheté, civil. Alors, ils ne s'arrimeront pas à la station, eux. Ils feront des vols autour de la Terre. Et d'ailleurs, ils remplaceront le cône d'amarrage dont ils n'ont pas besoin de se servir ce coup-ci par une belle baie vitrée, par un dôme vitré pour regarder la Terre et le ciel. Tout ça en septembre. Premier vol entièrement touristique. Alors, il y a eu plusieurs, beaucoup de touristes. Il y en a eu 8, je crois, de touristes dans l'espace hein, depuis les années 2000, depuis même début des années 2000. Ils sont allés sur l'ISS, etc. Mais là, ça sera le premier vent vraiment entièrement touristique. Il n'y aura pas d'astronaute professionnel à bord. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'ISS? Ça, c'est une excellente question. Ça sera donc la mission. Alors, tous les astronautes font plein d'expériences sur l'ISS. Alors, les autres, on n'a pas, on sait pas trop ce qu'ils vont faire. Mais Thomas Pesquet, pour sa deuxième mission sur l'ISS, la mission Alpha, il va faire une quinzaine d'expériences, si je me souviens bien. De manière générale, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait en général sur l'ISS, Charles? En général, on fait soit des recherches biomédicales, parce qu'en impesanteur, c'est un moment, justement, un endroit pour préparer d'autres vols, les vols de longue durée. Donc, on passe beaucoup de temps à faire des essais biomédicaux sur le système, surtout le système cardiovasculaire. Là, Pesquet va amener des expériences. Ils ont également des expériences médicales où ils ont des petits modules qu'ils mettent dans des cases à bord de l'ISS qui sont alimentées en électricité, etc., pour faire tourner l'expérience. Ils vont faire des expériences en particulier, je crois, pour voir un peu, ils amènent des cellules souches de neurones, donc de notre cerveau en particulier, de notre système nerveux, pour voir la dégénérescence en impesanteur de ce type de cellules. Parce qu'il y a des craintes que, c'est vrai que l'être humain en 0G est soumis à pas mal de détériorations, que ce soit calcification osseuse, que ce soit justement des problèmes de vaisseaux sanguins, que ce soit des problèmes de neurones. Donc voilà. En un mot, beaucoup d'expériences biologiques et puis des expériences également de matériaux, de métaux, de fusion de métaux en 0G pour faire des alliages. Et tout ça dans des petites boîtes voilà, qu'on met dans des modules de service. Voilà, mais je pense que Théo peut en dire plus. Alors pour les expériences à bord, pas spécialement, je suis plutôt, tout ce qui est technique de l'ISS par contre, je pourrais en parler, mais j'avoue que les missions en elles-mêmes, pas tant que ça. Par contre, j'ai vu deux questions intéressantes, j'ai vu deux questions sur est-ce que les astronautes actuellement à bord de Crew Dragon vont faire quelque chose et est-ce que l'amarrage est automatique? Crew Dragon est entièrement automatique avec possibilité, si nécessaire, de passer en manuel. Mais du coup, par défaut, c'est automatique si tout se passe bien, à part pour les tests de DM2. Pour DM2, il y a eu des tests volontaires, c'était histoire de vérifier que tout va bien. Mais sinon, tout sera automatique et dans un sens, les astronautes ont juste à vérifier les paramètres. Éventuellement, il y a 2-3 choses qui leur sont demandées, mais la capsule peut aller d'elle-même sur l'ISS. Alors, j'ai vu vous passer aussi, est-ce qu'ils vont sortir de la capsule? Non. Leurs combinaisons, ouais, les combinaisons un peu futuristes, là, elles sont pas du tout prévues. Ce sont des combinaisons intérieures, comme les Sokols russes. C'est fait pour l'intérieur. Éventuellement, s'il y a une dépressurisation légère, ils sont capables de maintenir la pression à l'intérieur pour pas que les astronautes soient blessés. Mais c'est pas du tout fait pour sortir de la capsule. Ils vont s'amarrer dans la capsule, ça va prendre très longtemps d'ailleurs, ça va prendre plusieurs heures, à peu près 3 heures. Ils vont s'amarrer ils vont vérifier si toutes les pressions sont bien équilibrées, etc. Ça va prendre 3 heures. Au bout de ces 3 heures, ils vont passer directement de la capsule à la station, donc ils vont jamais sortir de leur véhicule. Pour sortir leur véhicule, il faut 1 heure, 2 heures de préparation pour mettre une autre tenue, la grosse tenue typique des astronautes, et pour sortir dans le vide spatial. La grosse qu'ils utilisent pour les sorties sur l'ISS pour faire de la maintenance est assez imposante. Et ça, ils le feront, puisque on sait déjà que Thomas Pesquet fera au moins une sortie dans l'espace, une marche dans l'espace. Il est très compétent, c'est pour ça qu'il a été sélectionné pour un deuxième vol à bord de l'ISS. J'ai des amis à la NASA qui m'ont dit qu'ils étaient vraiment très impressionnés par ses performances
en particulier lors de sa marche dans l'espace. J'ai un copain qui est en charge des scaphandres de sortie dans l'espace, justement à Houston, et qui m'a dit bravo Pesquet, c'était vraiment très content de son travail. D'ailleurs, une des sorties, donc ça je sais, c'est une des missions qui va être celle de Thomas Pesquet, c'est que la Russie va amener un nouveau module sur l'ISS, et sur ce module, il y a un bras robotique qui a été construit par l'Europe. Et du coup, en fait, donc Thomas et Mathias après lui auront la responsabilité des opérations du bras pour vérifier donc ce qu'on appelle la recette, vérifier que tout fonctionne bien. Et du coup, comme il a été construit par l'Europe, c'est des astronautes européens qui ont eu l'entraînement pour vérifier que tout se passera bien quand le bras arrivera. Donc, par contre, il est probable qu'ils mettront des combinaisons russes pour l'occasion. Oui. Alors, je crois que les pièces de rechange du bras ont déjà été apportées avant le bras lui-même. Ah oui, d'accord. Et sont déjà assemblées sur le côté d'un module à l'extérieur. Et donc maintenant, le bras lui-même arrive. Ouais, il va arriver avec Nokia, le module en question, le module russe s'appelle Nokia. Alors, c'est assez intéressant parce que toujours en lien avec l'ISS. D'ailleurs, je te coupe, on voit la préparation des astronautes, le replay qui a eu lieu ce matin vers 7h. Avant Avec 7 une heures. Tesla, Oui, ils ont des une voiture Tesla. Tesla, on va les voir embarquer, sans doute à bord d'une voiture Tesla. Peut-être, oui. C'est ça, il y a deux C'est ce Tesla. qui s'est passé Trois même. ce matin. Je laisse continuer, Théo. Du coup, oui, en fait, la station spatiale a été lancée donc il y a maintenant 21 ans. Le premier module s'appelait Zarya. Alors, à la base, Zarya, c'est un module russe qui a été acheté par la NASA pour des raisons un peu compliquées. Et comme il a été acheté par la NASA, les Russes se sont dit, on va en faire un backup. Comme ça, si le lancement du premier y rate, on aura un second pour l'envoyer. Sauf que Zarya a bien été envoyé. Du coup, ils ont eu le backup qui se sont dit quelques années après, on va le lancer. Alors à la base, c'était en 2007. C'était un peu comme JWST. Il y a eu quelques retards. Et du coup, ils vont le lancer cette année si tout se passe bien. Et donc, le bras, pareil, hein, il y a des photos de préparation du bras et c'est avec des gros écrans. Enfin, ça date du coup d'il y a plus de 20, 25 ans. Et donc, voilà, c'est ce second module en fait russe est un clone du module Zarya qui est déjà sur l'ISS. Alors pour continuer sur les expériences de Thomas Pesquet qui va réaliser donc pour sa mission Alpha pendant 6 mois sur l'ISS, il va donc on a parlé, il va faire déjà énormément de sport, il va tester notamment un casque de réalité virtuelle où il sera en réalité virtuelle, il sera sur un paysage terrestre pendant qu'il fait du sport sur son tapis roulant spécial pour la pesanteur. Pour voir les effets psychologiques, si la vue de la Terre peut améliorer la psychologie des astronautes, etc. Il va tester un nouveau matériau pour emmener du cargo réutilisable, recyclable aussi, pour emmener du cargo sur l'ISS. Il va tester le blob. Ça, c'est vous connaissez le blob, cet animal, cet être vivant complètement bizarre qui se répand là, dans les. Il va tester ça sur l'ISS pour comprendre mieux comment il se comporte au niveau biologique et surtout comment il se comporte justement en apesanteur. Donc pour mieux comprendre, pour en apprendre plus sur la biologie tout simplement. Qu'est-ce qu'il va tester d'autre? Il va faire donc des sorties extravéhiculaires comme on l'a dit. Alors, il y a un truc, que, je ne sais pas à quoi ça sert pour le sommeil, qui va mettre un espèce de bandeau pour Ah le oui. sommeil, mais je ne sais pas Un espèce exactement. de bandeau pour le sommeil pour pareil tester les effets psychologiques. Il y a un article sur Futura justement où je vous invite à aller le lire où notre journaliste a listé toutes les missions que toutes les expériences que va réaliser Thomas Pesquet sur l'ISS. Donc il y a de la biologie, il y a de l'ingénierie, il y a plein de choses sur l'ISS. On bénéficie d'ailleurs des avancées médicales nous sur Terre, des avancées qui sont faites. En microgravité dans l'espace, mais le truc principal c'est vraiment de tester la résistance des astronautes en microgravité pour le vol spatial longue durée. Pourquoi? Parce que l'objectif à terme, dans très 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 longtemps, ça sera d'envoyer des humains vers Mars, et pour Mars il faut 6 mois. Donc dans les années 70, quand on est rentré de la Lune, on s'est dit la prochaine étape c'est Mars, sauf que Mars est long. Donc on a commencé à faire des premières stations spatiales pour aller de plus en plus longtemps dans l'espace, jusqu'à l'ISS aujourd'hui. Et puis la prochaine étape c'est la Lune en dehors des ceintures de radiation, donc pour voir comment
les humains se comportent face à des radiations plus élevées qu'à l'altitude de l'ISS, etc., etc., jusqu'à, peut-être, dans quelques dizaines d'années, un premier voyage vers Mars. J'ai vu deux questions. Vas-y. Oui, pardon. Si on fait confiance à Elon Musk, le oui, premier voyage vers Mars, évidemment, c'est dans 3 ans, sera... mais... Alors... dans 3 ans, et puis l'année prochaine il dira c'est également dans 3 ans, et dans 2 ans il vous dira c'est également dans 3 ans. Mais bon, on peut lui faire confiance, ça ira plus vite qu'on voilà, la version réaliste du voyage habité vers Mars, c'est plutôt d'ici 2050 pour le premier pas sur Mars. Oui, voilà, oui. 2050 en étant faire le tour de Mars et se poser sur Mars, c'est vraiment deux complexités beaucoup très différentes. Ouais. Se poser sur Mars et revenir, c'est beaucoup plus compliqué que juste en faire le tour. 2005. On ne sait pas revenir de Mars, hein. Ça, il faut bien l'avoir en tête. On ne sait pas revenir de Mars, encore une fois. Aucun engin humain n'est revenu de Mars à l'heure actuelle. Et il y a deux planifications de retour. Alors, il y a la planification de retour avec Perseverance qui atterrit et qui va récupérer des échantillons. Oui. Par contre, ce sera une fusée bien sûr trop petite pour ramener des humains. Et il y a la mission MMX, qui est une coopération japonaise CNES et l'agence allemande, qui vise à récupérer des échantillons sur les lunes de Mars et idem les ramener sur Terre. Et puis la Chine aussi, éventuellement, d'ici la fin de la décennie, s'ils arrivent à eux aussi ramener leurs propres échantillons. Donc 3 possibles missions pour ramener des choses de Mars, mais en tout cas pas d'humains. Donc ça sera vraiment en 2050 si on est réaliste et optimiste. J'ai vu deux questions. Oui, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. On est... Alors, j'ai vu deux questions qui sont un peu similaires. Est-ce qu'il y aura des déchets et que devient le second étage? Donc là, je vais résumer. Il y a quatre éléments. Donc, il y a le premier étage qui s'est du coup déjà posé. Le second étage qui a une vitesse orbitale, mais qui va faire un burn de désorbitation pour atterrir au point Nemo. Donc, c'est le point dans le Pacifique qui est le plus loin de toutes zones habitées. Donc, il va grandement se désintégrer. Mais il y a des éléments comme certaines parties du moteur qui sont faites pour résister à de très hautes températures, qui elles vont sûrement rester intactes, ou en tout cas pas forcément se désagréger totalement, qui vont atteindre l'eau. Il y a ensuite le tronc qui lui donc, va aller avec la capsule jusqu'à l'ISS, va rester attaché, puis 10 minutes avant de rentrer dans l'atmosphère, il va être enlevé. Et donc il va brûler dans l'atmosphère, lui il n'a pas vraiment de partie vraiment très résistante à la chaleur. Et la capsule qui elle devrait rentrer du coup intacte avec les astronautes, amerrir dans l'océan Atlantique au large des avec US. Des parachutes. Et être mise en état, avec des parachutes, et être mise en état et revenir être réutilisée plus tard. Et en ce qui concerne les ordures à bord, les déchets, etc., il faut savoir aussi qu'il y a des véhicules cargo qui amènent donc du fret à la station, mais également qui redescendent avec les déchets, on va dire avec le courrier des astronautes aussi, et qui se posent, le progrès, hein, on le désintègre pas. Le progrès, si. Se poser. Si, le progrès, il se désintègre. C'est la version de Soyuz, mais cargo, qui, elle n'a pas le bouclier thermique. Ok, donc là, on renvoie quand même des ordures faire combustion dans l'atmosphère quand même aussi. Oui, donc il y a 4 cargos actuellement qui ravitaillent l'ISS. Il y a le Cygnus qui est en américain, il y a le Progress, il y a le HTV, alors ça c'était le cargo japonais, ils vont faire une nouvelle version. Ces 3-là, ils se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère, et il y a la version cargo du Crew Dragon, qui est en fait officiellement normalement le Dragon 2 avec une version crew et une version cargo. Et qui lui revient sur Terre, et donc on peut ramener des expériences. Avant, le seul moyen de ramener des expériences, c'était la navette spatiale qui pouvait en ramener beaucoup. Donc voilà pour les déchets. Alors j'ai vu une question aussi, quel est l'intérêt d'une sortie dans l'espace? Alors en bas à droite de votre écran, vous voyez le replay de la sortie de Thomas Pesquet en 2016. Qui a duré 7-8 heures, comme à peu près toutes les sorties. Quel est l'intérêt de ces sorties dans l'espace? Donc là, vous voyez, ils ont une combinaison radicalement différente, adaptée du coup au vol spatial. Et alors, quel est l'intérêt? C'est de changer, par exemple, des modules de batterie qui sont à l'extérieur de l'ISS. Ils vont bientôt changer les panneaux solaires aussi, ils vont ajouter des nouveaux panneaux solaires. Amarrer les modules aussi, ça c'était plutôt dans les années 2000 avec la navette spatiale où les astronautes sortaient pour racoler les modules pour construire la station. Plein de choses, il y a énormément de choses à faire
évidemment, comme on l'a dit, avec toutes les expériences à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Et ça dure 8 heures. Et surtout, en 8 heures, ben, on est très lent dans l'espace. Et on a des outils, il faut tout vérifier pour visser le moindre boulon. Ça prend plusieurs minutes, le temps de confirmer au contrôle. Ok, je fais telle manœuvre, etc. Tout est listé au boulon près, littéralement. Et donc ça prend énormément de temps pour, au final, pas grand-chose si on compare au bricolage qu'on peut faire sur Terre. Donc ça prend du temps pour visser des boulons, changer des modules, etc. Et donc il y a énormément de choses à faire. C'est pour ça que à peu près tous les astronautes qui vont sur l'ISS font au moins une sortie dans l'espace pour la C'est mission. également, même psychologiquement, c'est important pour un astronaute qui est reclus à l'intérieur de la station pendant des mois, où il y a une monotonie quand même de la journée qui s'installe. Une sortie, ça apporte quand même un moment d'excitation, de nouveau, et c'est également très très bon pour le moral des astronautes. Alors j'avais une question sur le pilotage des cargos. Alors les cargos sont automatiques, mais donc en ce qui concerne le Dragon 1, Cygnus et l'HTV, ils sont automatiques jusqu'à se mettre sous l'ISS et après ils sont attrapés par le bras robotique de l'ISS. Le Crew Dragon, du coup, lui est automatique. Progress est automatique, mais il y a un poste de pilotage de Progress dans l'ISS au cas où ça se passe mal. Ils ont failli l'utiliser pour MS-15 ou 16 récemment. Quand ça s'est à moitié mal passé, puis finalement ils l'ont fait en automatique. Voilà pour le pilotage des cardos. N'hésitez pas à poser vos questions. Si on a raté, n'hésitez pas à les reposer vos questions. Donc sur le voyage habité, sur l'ISS, sur Thomas Pesquet, qui arrivera à l'ISS dans allez, 22 heures maintenant. On n'attendra pas encore 22 heures jusqu'à demain matin 11 heures. Hein. Mais voilà, vous aurez, la NASA proposera, si vous tapez sur YouTube, NASA ISS Arrimage, vous aurez un live. Alors ça sera en anglais évidemment. Mais vous aurez un live pour voir en direct la capsule qui s'approche de l'ISS doucement, etc. Ça va prendre énormément de temps ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, à pressuriser, bien vérifier tout. Et au bout du coup de 26 heures, non, plus 28 heures si on compte depuis ce matin où ils sont rentrés dans la capsule, les astronautes, dont Thomas Pesquet, pourra enfin sortir de leur capsule. Est-ce que tu veux le timelapse que j'ai fait du docking de, je crois que c'était, ah c'était CRS-21 du docking justement pour montrer un peu comment ça se passe. Ah, ta caméra a freeze, Théo. Ah oui, c'est en effet, il a, bon bah je l'avais mis à charger mais il s'est déchargé mon téléphone. Ah, on risque de Je sais pas perdre Théo. pourquoi. Au moins au niveau Bah de ça va, l'image. en audio je suis sûr, ouais. En audio je suis, ouais. Du coup désolé. Bon, vous avez Ce sa que j'ai essayé photo. de Voilà. régler tout à l'heure. Donc je peux t'envoyer un time lapse, donc un accéléré de l'amarrage du cargo Crew Dragon. Volontiers. Si. Je te l'envoie sur Messenger. Hop. On va. Alors, ce qui est également intéressant pour Thomas Pesquet, c'est que il n'a pas eu à s'entraîner aussi longtemps que la première fois. La première fois, bien sûr, un astronaute doit tout apprendre. Il a beaucoup de temps pour préparer sa mission. Donc, pour préparer sa première mission, qui était la mission Proxima, il avait à peu près 4 ans. Là, il a eu qu'une seule année pour préparer la mission Alpha. Mais maintenant, c'est un vétéran. En plus, beaucoup d'expériences qu'il va faire sont des répétitions ou des améliorations d'expériences précédentes. Donc, il n'a pas tout à apprendre par cœur. Il se met simplement à niveau. Voilà, maintenant, il est devenu vraiment un astronaute expérimenté, on peut le dire. Oui, là. Alors il a juste comment dire, à apprendre comment pilote le Dragon puisqu'il s'est formé sur Soyuz. Mais oui, comme il est vétéran, il a eu moins de choses à apprendre. Ouais. Alors là, je vous le repasse. Ce qu'on voit à l'écran, c'est le replay donc de l'amarrage de, c'était quoi déjà? De la Crew Dragon. C'était CRS-21, donc la Crew Dragon Cargo. Et on voit d'ailleurs Crew 1 déjà attaché hein, en bas. Donc c'était le cargo là, et vu depuis la capsule qui va du coup s'amarrer sur l'ISS. Donc ça c'est ce que vous verrez demain matin vers 11 h, où du coup ça sera habité, du coup avec Thomas Pesquet à bord. Il y a une question sur la quantité d'énergie pour faire le vol aller-retour. Alors, en joules, j'ai pas trop Ah, du coup d'idées. t'as coupé Ce que je carrément sais, c'est qu'il faut... ta caméra.
Ah. C'était bien, il y avait ta photo au Bah, moins. c'est Discord qui a dû décider de couper totalement, je D'accord, pense. ok. Alors je vais trouver un truc pour te remplacer. D'accord. Comment je vais faire? Donc j'ai vu une question sur l'énergie. Bah t'as la photo que je t'avais envoyée au pire. L'énergie nécessaire pour faire l'aller-retour. Bah, la quantité d'énergie, en fait, il en faut beaucoup pour décoller. Il en faut relativement peu pour atterrir car les frottements dans l'atmosphère pour la rentrée atmosphérique font le gros du boulot. Donc ça aide à ce niveau-là. Faut juste se détacher, donner un petit coup de frein avec le moteur fusée pour faire tomber un peu l'orbite jusqu'à ce que la friction atmosphérique prenne le relais et continue le freinage jusqu'à une chute libre contrôlée en J'ai mis une fait. photo de Thomas Pesquet. Merci. Voilà, parfait. Bien. Et donc, je reviens vers vous, du coup, après ce problème technique. Donc voilà, Théo vous a parlé des frottements atmosphériques, tout ça. Tchic, tchic, tchic. Donc n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Est-ce qu'on fait un live pour l'arrimage? Alors normalement non. A priori non. Je sais pas si je serai dispo pour ma part, Dans tous les cas, donc non. Non, non. Mais ça devrait très bien se passer. Oui, il n'y a pas de raison. Ce qui Oui. était vraiment dangereux, c'est le décollage. Avec un booster réutilisé, on ne sait pas si ça allait marcher, etc. Ça a très bien fonctionné, ils sont maintenant en orbite. Mais l'arrimage, normalement, il n'y a pas de problème. Au pire, s'il y a un problème, ça sera au niveau de l'automatisme. Et du coup, à ce moment-là, on pourra toujours prendre. Ils se débrouilleront de toute façon, mais normalement, il n'y aura vraiment pas de danger. Et il faut souligner pour justement ce décollage risqué, c'est toujours risqué quand il y a des personnes à bord, cette nouvelle version de la fusée Falcon 9, qui est la dernière version, ce qu'on appelle le bloc 5, la cinquième génération de fusée, a déjà volé, c'était quand même son 57e vol à ce modèle de Falcon 9, 57 succès sur 57 lancements. Donc on voit quand même que SpaceX a atteint un degré de fiabilité exceptionnel. Oui, c'est pas la plus fiable, mais c'est vraiment la plus fiable ou la deuxième plus fiable. Tout à fait. Par contre, du coup, il y a un endroit où il y a toujours des soucis, c'est l'atterrissage propulsé. Et ils ont encore perdu des Crew Dragon l'an dernier et Ouais. cette année. Enfin, pardon, pas des Crew Dragon, des Falcon. Les Des étages, étages, ouais. Des étages. Et ça, par contre, ça pose un problème sur. Bon, bah, on sait que Starship est encore en développement, mais ce que je veux dire, c'est que même sur une fusée qu'on considère comme opérationnelle, il y a encore des échecs quand même assez fréquents. En tout cas, Oui, pour quelque chose d'habilité, c'est trop fréquent. Sur les 57 vols de tête, il me semble qu'ils ont dû avoir 5 ou 6 échecs d'atterrissage de premier étage. Je sais qu'il y en a eu 2 l'an dernier, un cette année, et les années d'avant, j'ai plus trop compté, mais donc 3 Ouais. sur 2020-2021. Sachant que la fusée la plus fiable à ce jour, ça reste l'Atlas 5 de ULA. Donc une autre fusée américaine, c'est la fusée qui a emmené Persévérance sur Mars. Vers Mars. Et elle a Rappel volé. toujours, en bas à droite de votre écran, vous voyez le replay de la sortie en dehors de l'ISS, donc la sortie extravéhiculaire, l'EVA, l'EVA, de Thomas Pesquet lorsqu'il était dans sa première mission, la mission Proxima, en 2016. Il était venu d'ailleurs à Il est bord ça. de l'ISS avec un Soyouz russe, et que Et les c'était le sondes seul moyen à ce moment-là. c'est il avait fait 2 sorties, hein, c'est ça, pendant sa mission, il me semble. Oui, de mémoire, c'était 2. Il était avec Shane Kimbrough qui est à bord de la Crew Dragon en ce moment même avec Thomas Pesquet. Il repart presque le même équipage. Ils se retrouvent, c'est un duo de choc. Je crois qu'ils doivent beaucoup s'estimer, Tout à fait. puisqu'il a volé avec Shane lors de son premier vol et maintenant lors de son second. Petite question, combien coûte un lancement d'Atlas 5 plus Starliner? Donc Starliner, l'autre capsule habitée américaine qui entrera dans sa carrière opérationnelle dans quelques mois. Et par rapport au lancement de Falcon 9 Lune Dragon, je pense que, j'ai pas les chiffres, mais je pense que la Falcon 9 doit être facturée moins cher. C'est l'avantage La de Falcon SpaceX. 9, oui, ça c'est facturé moins cher, c'est une certitude, c'est 2 fois moins cher par siège, Voilà. environ. Pour le même nombre de sièges. Tuk-tuk, il y avait une autre question. La réutilisation des fusées, hormis pour l'aspect économique, a-t-elle un avantage écologique? Alors, l'aspect économique, ça, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'en sait rien.
C'est économique pour la NASA, puisque c'est la NASA qui achète et SpaceX facture moins. Mais pour SpaceX lui-même, est-ce que c'est plus rentable ou pas? Ça, on le saura que dans quelques années. Et écologique, non, il n'y a pas d'avantage. Alors, Oh, il y en a un un peu, petit dans parce le sens où il y a moins qu'on... d'étages dans la mer. Oui, aussi, et puis surtout, on ne reconstruit pas des fusées, mais c'est vraiment négligeable, comme tout le secteur spatial, hein. Toute l'industrie spatiale, d'un point de vue écologique, c'est très, 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 très négligeable. Comparé à Oui, tout à l'aviation, fait. comparé à l'automobile, qui sont vraiment Voilà, des ordres de j'avais vu grandeur un calcul radicalement sur différents. le degré de pollution effectivement des fusées par rapport aux avions. Et les fusées, c'était de l'ordre de 2 ou 3% de Et encore, pollution ça me par paraît beaucoup, ça, rapport 2-3%. à l'aérien. Alors nous, on avait mis, de ce que j'avais calculé, si toutes les fusées étaient des Falcon 9, ce qui n'est pas le cas, avec une centaine de lancements par an, on obtient une demi-journée de transport Du aérien. secteur de l'aviation, c'est énorme. Secteur de Ouais. l'aviation. Donc ce serait encore moins que ce que je disais. Ah C'est ouais, c'est encore vraiment, vraiment très, très ce serait du négligeable, 0,1%. l'espace. Alors ça, c'est en émission directe. Alors il y a les émissions indirectes et comme on construit plus de fusées proportionnellement au nombre de vols, tout ça, bon, ça peut augmenter peut-être un peu, mais Ouais, grosso c'est modo, négligeable. c'est pas énorme. Ouais, en émission directe, c'est négligeable. Et encore, c'est basé sur 100 lancements par an. Il n'y a pas 100 lancements par an, il y a beaucoup moins. 100 lancements par Ça an, c'est dépend les des meilleures années. années où il y a le plus de lancements. Là, j'avais pris une année avec, avec Alors. justement. Tac. Oui, on a perdu Théo, on a perdu la vidéo de Théo, hein. N'ayez pas peur, c'est une image de Thomas Pesquet. Donc, l'arrimage de l'ISS, c'est prévu pour demain vers 11h. Alors, on demande Alors, un je suis live. de retour. Il y aura pas de live, Vidéo. pas sur Futur en tout cas. Et ben vous savez quoi, je ferai peut-être un live demain matin, pas sur Futura, mais sur Cosmonium, où vous pourrez retrouver Théo. Ah ben il est de retour, magnifique. Attends, je vais te remettre. Marche. Où il est? Petit problème de Il est là, voilà. On a retrouvé Théo, magnifique. Alors, il y a beaucoup de questions aussi qu'on a déjà répondu durant le live. Le live sera disponible en replay sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook. Donc, notamment, je vois la question pourquoi l'envoyer sur Mars. Sur Mars, on en a déjà parlé il y a quelques dizaines de minutes. Tic, tic, tic. La barrage est prévue demain à 11h10 de mémoire. Quelque chose comme ça, ouais. Vers 11h, ouais. Vers 11h. Voilà, vous avez toujours en bas à droite de votre écran le replay de la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet en 2016. Il va en effectuer une autre, normalement dans les 6 prochains mois, au moins une. Et puis voilà, combien de temps on est en live? 1h15. On peut répondre encore à plusieurs questions. N'hésitez pas à les poser, à les reposer. Hop. Voilà, sur YouTube, sur Twitch. Alors, est-ce qu'on a raté des Alors, on questions? n'est pas tous sur tout, je suis sur Facebook et YouTube pour Moi, ma j'ai part. tout. Pour aller venir plus facilement entre les planètes, il faudra changer de technologie de propulsion. Oui. Alors, la technologie de propulsion, on en parle bien plus en détail dans le replay des chroniques de l'espace disponible sur Futura, où on parle de comment fonctionne une fusée, avec Théo d'ailleurs. Il était là et on voit en détail comment fonctionnent les fusées, quelles sont les technologies de propulsion du futur, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est que au gaz, à l'ionique aussi, mais pour les petites sondes. Donc très loin d'être efficace pour les grosses capsules habitées. Mais voilà. L'énorme avantage, c'est que c'est très très efficace. On n'a pas besoin de beaucoup de carburant et du coup, pour des manœuvres où on peut se permettre d'avoir le temps, type des sondes spatiales, ça permet d'optimiser, de mettre plus d'instruments scientifiques. En fait, on a une certaine masse donnée. Du coup, bah, si on peut mettre moins de carburant, on peut mettre plus d'instruments scientifiques. Et c'est tout l'intérêt des propulseurs ioniques. Combien de temps dure un arrimage? Donc c'est 3 heures. Mais vous savez quoi? Allez, je ferai un live demain Ouais, matin, deux, trois mais heures. sur le groupe Sur Cosmonium. Je ferai un le live pour l'arrimage de Thomas Pesquet et sa sortie, enfin, et son entrée dans l'ISS. Allez, même si Théo n'est pas là. Oui, je confirme les calculs de Théo concernant la pollution des fusées. Là, je viens de regarder mes notes et effectivement, la pollution, c'est moins d'une journée Du secteur aéronautique.
d'un grand aéroport. En une année, les fusées émettent moins de pollution qu'un grand aéroport comme celui de Londres ou de Paris en une journée. Ouais, donc c'est vraiment... Voilà. Si vous voyez dans les commentaires sur Facebook, sur Twitter, les fusées, ça pollue, vous leur dites ça. Alors, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent souvent unitairement, et oui, une seule fusée pollue plus qu'une seule voiture, ça c'est évident. Il faut, parce que la planète, elle voit, on va dire, l'ensemble. Donc, purée, la caméra qui a relâché. Ah, elle voit l'ensemble, donc elle voit vraiment tout. Ouais, voilà. Donc, des centaines de millions de voitures. Oui, tout à fait. Des centaines de millions de voitures tous les jours et les contraignent seulement une centaine de fusées. Est-ce que toutes les fusées américaines décollent de Floride? Non, elles décollent de Floride. Alors, les fusées orbitales, celles qui vont en orbite. Il y a d'autres lancements pour des vols suborbitaux qui n'atteignent pas l'orbite, comme à Boca Chica, par exemple, au Texas. Mais les lancements orbitaux... c'est en Floride, à Cap Canaveral ou à Vandenberg, d'où décollera la Delta 4 lundi prochain en direct sur Futura avec Théo. Il y a aussi il y a le pas de tir d'Antares qui est un peu plus au nord. Oui, mais ça, c'est. Ah oui, c'est un peu plus au nord. C'est, chez Memphis, c'est en Floride. Non, c'est pas en Floride justement. Ouais, c'est dans l'état d'au-dessus. Wallops Island en Virginie. Merci Charles. Virginie, voilà, il faut que je révise ma géographie. Donc oui, on a perdu Théo, c'est normal. Il fait, voilà, on va se mettre comme Théo. En panne de batterie, hein, ça c'est crucial en panne spatiale. Donc Floride, Virginie pour Antares qui ravitaille l'ISS et la Californie à la base d'Air Force, Space Force de Vandenberg, d'où décollera lundi la Delta 4 à suivre en direct. Commenter. Combien de temps restent les astronautes dans l'ISS? En moyenne 6 mois, il reste en moyenne 6 mois. Parfois, il reste plus longtemps pour étudier vraiment les effets de longue durée. Il y a eu un seul grand vol de longue durée qu'ont fait les Américains qui était de 1 an. Ça, c'était il y a 3 ans de ça à peu près, ou 4 ans de ça, le temps passe. Ils ont fait un vol d'un an. Mais sinon, c'est 6 mois, effectivement, la moyenne. Oui, il y en a un qui a fait un an, tout à fait. Oui. Donc oui, 3 heures, c'est toujours à peu près 3 heures, parce qu'il faut tout vérifier pour l'arrimage, je parle. Il faut toujours vérifier la pression, etc. C'est toujours très long. On en parlera du coup en détail demain sur le groupe Facebook Cosmonium. Il y a les liens qui sont mis là. Il y a une question très intéressante, puisque c'est on ne peut plus d'actualité. Comment on devient astronaute? Comment on devient astronaute, puisque... Comment on devient comme Pesquet qui est en ce moment même dans une capsule de 8 mètres cubes en orbite autour de l'ISS autour de la Terre, à aller vers l'ISS. Les inscriptions sont ouvertes, hein. Si vous avez le profil, vous pouvez postuler pour devenir peut-être astronaute, mais il y a quelques conditions. Est-ce que tu les connais, Charles? Oh, les conditions, alors ça... Les conditions physiques sont relativement aisées. Hein. Autrefois, c'était très compliqué. Il fallait être en forme parfaite, etc. Aujourd'hui, il faut simplement être en bonne forme physique. Ce qui est important, c'est son bagage scolaire, universitaire, technologique. Et généralement, ça se mesure en bac plus plusieurs années. Au moins bac plus 5, ouais. Voilà. Pour cette sélection, la dernière sélection, celle de Thomas Pesquet justement, où il n'était à l'époque où il n'était que pilote de ligne, c'était en 2009. Mais pour cette sélection là qui est ouverte jusqu'au 28 mai, donc envoyez vos CV vite si vous voulez. Il faut au moins un master en sciences relatives, ingénierie ou médecine aussi. Si vous êtes médecin, ça compte. Donc ingénierie, géologie, sciences physiques, sciences de l'espace. Toutes les choses un peu, c'est assez large, donc vous avez pas trop de problèmes. Et 3 ans d'expérience professionnelle. Ça aussi, c'est un minimum. Donc par exemple, si vous avez votre master et 3 ans d'expérience professionnelle dans l'ingénierie spatiale, ou dans l'ingénierie tout court même, et ben allez-y, postulez, vous avez toutes les conditions requises. Et avoir moins de 50 ans aussi. Avoir moins de 50 ans. 50 ans, c'est la limite maximale. Parce qu'après, c'est une sélection sur au moins 10 ans. Ouais. T'as dit quoi? Oui, c'est ça, pour postuler. C'est-à-dire que ensuite, si vous êtes retenu, vous pouvez encore voler jusqu'à l'âge de 60 ans ou plus. Voilà, tout à fait. Parce que vous engagez pour au moins une dizaine d'années hein, en étant astronaute. Sur la question du record dans l'espace, dans la station, c'est donc, comme on disait, c'est à peu près un an. C'était Scott Kelly
il a fait 340 jours. Et c'était effectivement, le temps passe, c'était il y a 5 ans. C'était en 2016. Et en deuxième position, c'est une femme dans la station, c'est Christina Koch. Et elle a passé 328 jours. Mm-hmm. Christina Koch. Koch, je ne sais pas comment on dit. Oui, je ne sais pas comment, on prononce. C'est en ça, breton. Christina Koch qui est d'ailleurs pressentie pour être la première femme à marcher sur la Lune. Je rebondis sur une question d'ailleurs. Premier voyage vers la Lune d'ici 2023-2024 avec Artemis 2 et Artemis 3. D'après Trump. D'après notre ami Donald Trump. Ouais. D'après Donald Trump, ouais. Mais bon, ils sont confiants. Hein. Bon, avec SpaceX, je suis moins confiant. Parce que la SLS, elle est prête pour envoyer les astronautes dans l'espace. Tout est presque prêt. Mais le Starship, bon, surtout qu'il faut qu'ils repensent le développement de zéro, puisque ça ne sera pas construit comme le Starship actuel. C'est pas du tout la même architecture que le Starship actuel. Donc il y a tout à faire sur le Starship lunaire. Donc ouais, ils vont. 2024, bon. De toute façon, c'était totalement irréaliste. Tout à fait. C'était simplement. C'était un coup de gueule de Donald Trump, comme d'habitude, irréfléchi. et donc la NASA fait semblant de dire oui, parce qu'ils sont obligés de dire oui au président, mais c'était absolument impossible. Voilà, donc c'est réalisable, mais plutôt. Il y aura du retard en tout cas. Mais c'est prévu pour 2024, mais il y aura au moins 2 ans de retard. Allez. Oui, on va dire oui, on peut dire avec assez d'optimisme que dans 5 ans, on va voir. Des femmes marcher sur la Lune. Ouais, dans quelques années. Et surtout, dans quelques années, il y aura la première station en orbite autour de la Lune. Et ça sera énorme. Une ISS qui a mis 20 ans à construire, ils vont faire la même chose mais autour de la Lune dans la prochaine décennie. La prochaine décennie, au niveau spatial, elle sera extraordinaire. En plus petit, bien sûr. Pas besoin d'envoyer beaucoup, beaucoup de tonnage. Ce sera quelques modules. Dans une orbite assez bizarre autour de la Lune. Et l'orbite NRHO, non, NHRO, NRHO, qui permet d'être toujours NRHO, qui permet d'être toujours en contact avec la Terre. C'est un des avantages. Alors j'ai vu demander des questions sur la différence de technologie entre les missions d'Apollo et aujourd'hui. Ouais, donc l'atterrisseur n'a rien à voir. Maintenant c'est séparé. L'atterrisseur et la capsule qui emmène sont envoyés sur deux fusées différentes. Parce qu'en même temps, donc il y en a beaucoup qui demandaient pourquoi ne pas utiliser que le Starship. Le Starship n'a pas l'énergie suffisante pour aller sur la Lune, revenir, aller sur la Lune, se poser, se redécoller et revenir sur Terre. Et il n'a pas de bouclier thermique et il n'a pas les ailerons. Donc de base, il peut pas. Oui, voilà. Donc il faut deux fusées. Pour revenir sur la sélection d'astronautes, il y a la taille qui compte aussi. Il y a des limites de taille, notamment en limite inférieure. Sachant que si vous êtes vraiment trop inférieur en taille, en dessous d'1m30, donc si, autrement dit médicalement si vous êtes un nanisme, la sélection est toujours ouverte puisque l'ESA, pour cette sélection de manière totalement inédite, propose une sélection d'astronautes avec un handicap physique. Pas tous les handicaps, hein, ils veulent essayer, voir ce qui est possible, ils savent pas si c'est possible ou pas hein, d'envoyer des astronautes handicapés. Ils veulent voir si c'est possible, commencer à se poser la question, etc. C'est pas du tout dans une démarche. Enfin, un peu, mais c'est pas dans une démarche juste être inclusif pour être inclusif, parce que ce serait pas rationnel. Mais ils veulent essayer, voir ce qui pourrait être possible. Et du coup, ils ouvrent la sélection d'astronautes cette année aux personnes atteintes de nanisme et aux personnes amputées ou avec un handicap au niveau des jambes en dessous du genou, si je me rappelle bien. Ouais. Bah, le spatial a beaucoup de liens avec la santé, donc tout à fait. C'est vrai que c'est un peu dans cette démarche-là. Pour savoir à combien de fois c'est plus sécurisé qu'avant par rapport à Apollo, on sait qu'Apollo, ils ont pris quand même pas mal de risques parce qu'il fallait battre l'URSS. Mm-hmm. Après, de là à le quantifier, ça va être compliqué. Sachant que Yuri Gagarin, par exemple, c'était 50-50, il y avait une chance sur deux, pile ou face, de mourir, d'y rester. Aujourd'hui, c'est des pourcentages qu'on ne s'autorise clairement plus. C'est du 90, 95, 99%. Et on a beaucoup plus de systèmes de sécurité, des systèmes d'échappement. Si la fusée a un problème, la capsule est arrachée de la fusée, etc. Le risque pour Apollo était également pour les vols, les grandes premières, où on faisait quelque chose de totalement nouveau, comme voler sur une Saturn V et faire le tour de la Lune, ou se poser sur la Lune. Là aussi, les plus pessimistes dans les couloirs de la NASA disaient une chance sur deux de revenir vivant. Mmh. Mais on a ils vu sont que tous revenus vivants au final.
Même Apollo 13. Même Apollo 13. Apollo 13 qui s'est mal passé. C'est très mal passé. Donc ils étaient hyper pessimistes, mais c'était pourtant le chiffre dans leur tête, et même les astronautes eux-mêmes. Par exemple, Bill Anders, qui a volé à bord d'Apollo 8, s'est lui-même donné une chance sur trois de revenir vivant. Une chance sur trois d'échouer une chance sur trois de mourir dans l'espace. Ouais. Une chance sur trois de faire une mission parfaite et une chance sur trois de revenir avec une mission ratée. Mais comme quoi, il pensait quand même qu'il avait une chance sur trois de mourir. Ouais. Ouais. Et du coup, voilà, sur les 12, 13... Combien il y a eu d'astronautes sur la Lune ? 3. Il y a eu Apollo 11 à 17, moins 13. Donc, c'est tôt le matin. 6 fois 3, 18. Donc, il y a eu 18 astronautes vers la Lune. 12 qui ont marché dessus, ça c'est sûr. C'est ça en fait, parce que vers la Lune, il faut rajouter Apollo 8 et Apollo 10. Oui, c'est vrai, donc oui. Qui ont fait le tour sans se poser. Donc, on en est à peu près à 24 astronautes qui ont fait le... Bonne vingtaine d'astronautes qui ont fait le tour de la Lune, ils sont tous revenus vivants. Il y en a 3 qui sont morts, c'est Apollo 1, mais ils n'étaient pas censés aller vers la Lune, ils sont morts au décollage malheureusement. Non, ils sont morts même en test. C'est même pas au décollage, c'est en test. Ils sont morts au sol, quoi, en tout cas. Ouais, ils sont morts au sol avec même pas de propre gueule dans la fusée. Ouais. Mais un problème électrique à bord de la capsule et un incendie. Tout à fait. Mais ceux qui sont partis vers l'espace et vers la Lune, ils sont tous revenus vivants, en tout cas. Donc oui, ils étaient pessimistes. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très fiable. Alors évidemment, pas aussi fiable qu'un avion de ligne, pas aussi fiable que la voiture. Il y a toujours des risques. Et on l'a vu même récemment, hein, MS-10, Soyuz MS-10, qui allait vers l'ISS. La mission a été un échec puisque ils sont pas morts, ils ont réussi à s'éjecter. Le système de sécurité a fait son office, mais ils sont rentrés sur Terre illico parce que en parachute. C'est entre autres ce qui manquait à la navette et ce qui manque du coup à Starship. Starship sera assez dangereux par rapport aux fusées modernes pour le vol habité. Le Soyuz russe a eu beaucoup de succès, a eu quand même deux échecs, puisque le premier, le Soyuz 1, a été un accident mortel en 1967 avec Komarov, qui est mort. Et puis Soyuz 11, quelques années plus tard, en 71, si je ne m'abuse, avec Dobrovolsky, Volkov et Patsayev, qui sont morts lors du retour sur Terre. Il y a aussi eu le test de Soyuz, le lancement ne s'est pas bien passé, mais les moteurs ayant été allumés, la capsule pensait être, on va dire, en lancement, et à cause de la rotation de la Terre, sa centrale inertielle a cru que la navette déviait un peu trop de la trajectoire optimale, et le système de sauvetage s'est activé alors qu'il y avait des gens qui étaient venus sur le pas de tir. Et il y a eu cette mort, quelque chose comme ça. Enfin... Voilà, heureusement, Thomas Pesquet, aujourd'hui, ça s'est très bien passé. On va terminer sur une dernière question, toujours autour de la Lune, puisque pourquoi pas, Thomas Pesquet deviendra peut-être le premier Européen, voire le premier Français, à marcher sur le sol lunaire. Donc la Lune, c'est d'actualité, retour sur la Lune, c'est d'actualité, dans la prochaine décennie en tout cas. Et quel intérêt du coup à y retourner? Il est plus technique que scientifique, puisque... et ça, Charles pourra le confirmer après, puisque Apollo a ramené 400 kg de roche, alors pas forcément aux meilleurs endroits, éventuellement, on aimerait avoir des échantillons des pôles, notamment, puisqu'on sait qu'il y a de l'eau sur la Lune. Mais bon, on a quand même 400 kg de roche, il n'y a même pas la moitié qui a été analysée de ces roches lunaires, donc scientifiquement, ça va, on a des sismomètres aussi sur la Lune, donc on peut faire... beaucoup de sciences. L'intérêt aujourd'hui, il est technique, puisque, comme on l'a dit, c'est de toujours pousser plus loin le vol spatial, toujours comprendre mieux le vol spatial habité sur la longue durée, en dehors des ceintures de radiation, exposées aux radiations de l'espace, etc. Donc, ces deux objectifs, c'est construire la station Gateway, donc comme une ISS, mais autour de la Lune, et puis, possiblement, dans la prochaine décennie, voire celle d'après, une base sur la Lune, pour tester toujours l'exploration planétaire habitée, c'est pour tester les technologies, etc. Plus que pour la science à ce niveau-là, puisque l'objectif, c'est toujours d'aller vers Mars dans les plusieurs décennies. Et donc, de faire des vols très très longs en apesanteur. On sait
aller 6 mois en apesanteur, c'est ce que va faire Thomas Pesquet à partir d'aujourd'hui et à partir de même demain. Un an, du coup, pour certains. Mais c'est 6 mois dans l'ISS à 400 km, donc sous les ceintures de radiation. On n'est pas exposé aux radiations, etc. Donc on a encore énormément de choses à apprendre sur le vol spatial habité à longue durée. Tu confirmes, Et Charles? pour rebondir. Oui, juste pour rebondir pour la Lune. Bon, comme je suis géologue, moi, ça m'intéresse toujours qu'il y ait de nouveaux Tout à astronautes fait, qui bien explorent sûr. la Lune. Parce que, bien sûr, on en a fait beaucoup avec Apollo, mais comme on sait, quand on découvre des choses, ça ouvre sur des nouvelles questions, des nouveaux endroits qu'on veut. La Lune, on a passé que quelques journées dans ces endroits différents. Donc, tant qu'à faire de la technologie Ah sur la oui, tout Lune, à fait. faire de la science Bien aussi, évidemment. il y aura des choses à faire. Bien évidemment, oui. On n'a pas plus rien à faire sur la Lune, hein, qu'on fasse pas. Alors, faut juste dire, faut pas penser que la Lune a des ressources Ah formidables qui oui. vont servir pour la Terre, etc. Il y a quelques pistes qui ont été évoquées, mais c'est pas la raison. La raison, c'est technique, comme disait Nathan, et puis c'est scientifique au premier degré, c'est-à-dire mieux connaître la Lune. Il nous permet de mieux connaître le système Terre-Lune, les premiers jours de la Terre quand on était bombardé par des astéroïdes, et voilà, toutes sortes de choses fascinantes qui est la curiosité humaine, quoi. Et J'ai une puis. question, est-ce que les voyages dans l'espace, comme on les voit dans les films et séries, sont envisageables dans le futur? Avec les technologies actuelles, pas vraiment. Avec la physique actuelle même aussi, Oui, qu'on connaît, pas vraiment, quoi. avec la science, hein, les lois physiques, les lois de l'univers. Oui. Alors, on va terminer. Dernière question sur la Gateway dont je parlais. Gateway, c'est plutôt une orbite Terre-Lune que autour de la Lune. Alors, c'est vraiment autour de la Lune. Non, c'est autour de la C'est Lune. purement autour de la Lune, avec une orbite spéciale. Qu'il faudrait une émission entière à consacrer pour expliquer comment fonctionne cette orbite. Parce que c'est pas simplement un corps central et un truc qui tourne autour. Ici, ça tourne autour, mais ça utilise aussi l'influence de la Terre, sans tourner autour de la Un problème Terre. à trois C'est corps. un problème à trois corps, exactement. Où il y a une orbite spéciale et qui va, du coup, rester, qui va pivoter autour. Enfin, c'est une orbite très spéciale. Donc voilà. Mais c'est bien en orbite autour de la Lune. Et qui recule loin. Quand on recule, on recule à peu près à quoi? 60 000 km de la Lune? Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais en tout cas, oui, c'est assez elliptique, c'est très elliptique. Ça se rapproche Assez loin. proche de la Lune d'un Ouais. côté et ça s'éloigne de la Lune de l'autre. Et quand on se rapproche, on est à 1 000 km ou quelque chose comme ça, Ouais, j'ai en l'ordre tête. de grandeur, c'est ça. C'est dans un cas, c'est plutôt 1 000 km et dans l'autre cas, c'est quelques dizaines de milliers, il me semble. Mais du coup, Voilà, voilà. donc on va se quitter sur cette image de donc sur ces images de la sortie extravéhiculaire de Thomas Pesquet en 2016. Donc on verra à peu près la même chose dans les 6 mois qui suivent. Et puis voilà. Donc pour rappel, petit débrief, Thomas Pesquet a décollé avec succès de la Floride. Il est passé au-dessus de nos têtes d'ailleurs il y a maintenant longtemps. Il est passé au-dessus de nos têtes, au-dessus de Paris, on l'a pas fait coucou. On a oublié de lui Ah, faire petite coucou. son. Et au-dessus de l'est de la Et au-dessus de France. l'est de la France. Voilà. Donc il est maintenant en orbite à un peu plus de 200 km d'altitude. Et il va passer les 22-21 prochaines heures à faire les manœuvres orbitales. Toute automatique avec ses trois compagnons à bord qui sont Megan MacArthur, Shane Kimbrough qui a déjà volé avec lui en 2016 et Akihiko Shide de l'agence spatiale japonaise et qui arriveront demain à l'ISS demain matin vers 11h à suivre en direct sur Cosmonium, pas sur Futura. Et puis voilà. Charles, où est-ce qu'on vous retrouve du coup? Oh ben, sur la Lune, de préférence. Dans 20 ans. Ben, sur Futura, puisque j'ai le blog Carnet de bord d'un martien, un blog Futura où je mets en ligne de temps en temps un petit article sur la conquête, l'exploration de Mars. Donc à suivre sur Futura, le blog, j'ai déjà oublié, le carnet de bord d'un Carnet de martien. bord d'un martien. Et puis un projet de nouveau livre en vue ou pas? Oui, alors là, c'est la Terre, parce que moi, bien sûr, en tant que géologue, je m'intéresse beaucoup à la Terre. Et je suis en train d'en écrire un qui s'appelle Légende, Secrets et Légendes de la Terre, qui est en fait sur tout le folklore
qui entoure les beaux paysages de la Terre, les mythes, les légendes, que ce soit les mythes gréco-romains, que ce soit la déesse des volcans, Pélée à Hawaï, que ce soit les mythes aborigènes d'Australie pour expliquer tel ou tel rocher. Voilà, donc un parcours dans la mythologie de la Terre. Super, donc après le livre sur Apollo, on revient sur le plancher des vaches. On revient sur quoi ? Voilà, nickel. Et puis Théo, on se retrouve avec Théo lundi sur Futura, lundi à 21h15. Sur Futura, il y aura l'annonce à venir demain. Donc, Delta 4 Heavy. Voilà. Très beau lanceur. Magnifique lanceur, à pas rater. Hein. En plus, c'est un des derniers lancements de ce lanceur, de cette fusée. Elle est incroyable à voir à décoller. Donc, à voir lundi sur Futura. Ça sera du coup en Californie, le lancement, et puis en Floride. Et puis vous le retrouvez aussi sur Cosmonium, le groupe Facebook. Vous tapez dans la barre de recherche sur Facebook Cosmonium, sur Discord aussi, le serveur Discord. Vous tapez Cosmonium, vous retrouvez. Pour répondre aux questions, pour rentrer, faites bien attention aux questions. Oui, il y a un questionnaire d'entrée, faites bien attention aux questions. Donc vous retrouverez Théo, vous retrouverez moi-même demain pour leur image de Thomas Pesquet à l'ISS à 11h. Vous retrouverez Thomas Fauché, le planétologue de la NASA qu'on a vu pour le live sur Futura de l'atterrissage de Persévérance. Vous retrouverez aussi d'autres scientifiques qui répondront à toutes vos questions. On pourra répondre aussi individuellement à vos questions qu'on n'a pas pu répondre en direct. Et puis le live demain matin pour Thomas Pesquet. Et puis voilà. C'est ça marche. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon voyage à Thomas pour ses 22 heures restantes. Bonne journée à vous, merci de nous avoir suivis. Puis voilà. Charles, un dernier mot ? Bonne mission à Thomas Pesquet. On ne peut pas faire plus clair. Voilà, merci d'avoir suivi, et puis bonne journée à tous. Et puis bonne mission à Thomas Pesquet. Salut ! Salut. Au revoir.